Et coucou tout le monde! Alors on se retrouve sur Going Medieval. Avancer, ça sera mieux. Dans cet épisode, je vais essayer de suivre les conseils qui m'ont été donnés. Alors par contre, pourquoi on n'entend pas de musique du tout? Je ne sais pas. Je comprends pas. Elle est peut-être trop basse. Je vais essayer de la remonter un petit peu, mais pas trop. Comme ça. Allez. Dire que c'est bon. Faudrait quand même qu'on entende un peu de musique. Et hop là. Donc aujourd'hui, je vais essayer d'appliquer des conseils qui m'ont été donnés par un viewer, par un abo, Monsieur Kerpolf. Je pense que c'est des bons conseils. Maintenant, réussir à les appliquer, ça risque d'être trop de choses, mais on va essayer. Allez. Alors déjà les clôtures, parce que c'est le plus simple. Ce n'est que visuel, mais quand même, ce sera mieux. Comme ça. Hop. Ensuite. On tourne. Tu tournes pas parce que je clique pas sur le bon bouton. C'est marrant des fois. Celle-là, c'est un coin. Donc c'est comme ça. Voilà, là on est bon. Là, on est bon. Bah, c'est quand même vachement plus joli. Donc ensuite, on avait. Une histoire avec les stockages, des conseils sur le stockage. Donc la nourriture proche des cuisines, ce qui semble pas bête, hein, j'avoue. Et surtout en sous-sol pour trouver la fraîcheur. Alors, en sous-sol pour trouver la fraîcheur. Je sais plus où j'ai mis mon champ de choux par contre. Les champs sont là. Champ de choux ici, ouais. Donc j'ai bien. Ouais, donne des graines, j'espère que j'aurai des graines. Allez. Alors, où est-ce qu'il serait intelligent de faire ça? Peut-être ici. Peut-être faire le sous-sol ici, juste derrière, comme ça. On va faire un grand sous-sol. Parce que j'aimerais avoir beaucoup de nourriture. Ah, on a le droit de rêver aussi. Je sais pas si je pourrais pas faire le brassage en plus là-dedans, pourquoi pas. Allez. Oui, il y avait aussi une histoire sur les priorités de chacun. Hop, alors on va mettre les priorités là où on a les petites étoiles, si j'ai bien compris, c'est ça. Moi je me fiais aussi au fait que ça soit blanc autour. Mais bon. Là on est bien sûr un. Voilà. Une étoile ici. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, bah tant pis. Là, un. En fait, c'est pas très clair pourquoi il y en a qui ont des étoiles, pourquoi des endroits, le cadre est très clair, ça suggérerait quand même des capacités, hein. Mais pas vraiment non. Avoir du 1 partout quoi. Voilà. On va dire que c'est bon pour l'instant du moins. Alors, Karl est en train de creuser. Bon, on va le laisser creuser. Il faut pas que je bouche non plus. Ah, les trous hein, que je fais. Alors, là, ici. Donc, je vais annuler le remplissage. Et puis on va creuser hein, encore. Ça fait peut-être beaucoup, mais ça va les occuper un moment comme ça.
De toute façon, je peux faire des pentes, donc j'arriverai toujours à le faire sortir du trou. On va déjà casser un mur ici. Est-ce que je le casse là ou là? Là, ça fait la porte derrière l'escalier, est-ce que c'est pratique? Oui. Allez. On verra, hein. Si ça va pas, ben, on refera. En tout cas, merci pour tous tes conseils. C'est vraiment super. C'est vrai que ça fait beaucoup de choses à penser et j'y pensais pas du tout. Tout ça. J'avais bien dit mouton. Ah, je crois par contre que j'ai pas fait de toit sur cet enclos. Parce que c'est très grave pour l'instant, donc ils vont pas chercher de mouton. On va quand même faire un toit. Un toit de chaume, évidemment, ce n'est qu'un bâtiment de ferme. Voilà, comme ça, ça c'est fait. Hop, hop, bien. Est-ce que j'ai l'impression qu'il s'organise mieux? Je sais pas. Bien 187. Alors je vais peut-être mettre ce poste de recherche en pause. Voilà. Et prioriser celui-là. Comme ça. Un petit peu de manuel, et puis quand je pense qu'il y aura assez de manuel, bah, je le mettrai aussi en pause qu'il a évacué à d'autres occupations. Allez. Oh, ça va, il creuse bien, Karl, c'est très bon, bravo. Oh là là, il y a des grands sapins ici. Ouais, c'est pas les sapins que j'avais plantés, ça. Est-ce qu'on ne couperait pas? Non, ça ferait toujours un peu de bois. Du trou, hein. Quand il sera au fond du trou, on aura un souci. Ah, mince, il a creusé autour de lui, ce couillon. Est-ce qu'il s'est sauté? Ah ah, jour 10 de l'automne, c'est bientôt l'hiver. Ah, c'est bien, Marie. Moi, je l'aime, Marie. Bravo à toi. Changer d'occupation comme ça. Ah, oh oui, oh oui, un nouveau colon. Oh oui, on le veut. Oh oui, on le veut. Viens travailler avec nous. Alors, ce nouveau colon, maintenant que je surveille cela, Osric, d'accord. Alors, Osric, je vais plus loin. J'ai encore loupé le 1, bravo à moi. Je suis forte, hein. Je suis trop forte. Hop. Alors lui il est bon quoi. Menuiserie, cuisine, bien, tu vas apprendre à Marie. Extraction, très bien. Construction et chasse. Bravo. Bravo. Alors ensuite. Non, tu dors une heure de plus, c'est bien. Quoique. Est-ce que je leur enlèverai pas cette heure? Parce qu'au final, de base, c'était comme ça. Voilà. Ensuite. Alors, je suis gentille quand même, je leur donne 2 heures à faire ce qu'ils veulent. Ça va, hein? Il y en a qui sont pas aussi bien traités. D'ailleurs, c'est peut-être trop bien. Allez. Réveillez jusque-là, et puis c'est tout. C'est pas ce qu'on veut dans la vie, hein. Parce que c'est important quand même. Voilà. On est bien.
Alors, je pense qu'on est bien, on verra. Si ça va pas, bah, on rectifiera. Ou pas. Mais ils se mettent tous à creuser, c'est bien, ça va aller vite. Attention, ressources. D'accord. Ouais. Donc ce qui veut dire que ce qui serait bien... Ah oui, ça aussi. Je vais changer. Parce que là j'ai mis une porte de grange, c'est pas mal. Hein. On va mettre une porte normale. Là j'ai des animaux qui peuvent rentrer. Voilà. On sera mieux. Voilà. Marie, elle est tombée. Et comment vous allez faire les gars? Est-ce qu'elle est en bois? Est-ce qu'elle est en calcaire? Est-ce qu'elle est en argile? Qu'est-ce qu'on fait? Calcaire on en a pas assez. Argile on en a. Bon, j'arrive à passer l'escalier. Il faut qu'il creuse ici. Ah! Comment il est prévu ou quoi? Oui, les villageois sont épuisés. Je... Ah non. C'est posé là en fait. C'est 23h. Ah, ils vont dormir en bas. Bah oui, parce que vous avez été trop bête. Ah mais c'est un chien. J'ai réussi à l'adopter finalement. Là. Allez. Vous me faites ça s'il vous plaît, vous pourrez aller manger après. Oui. Donc il arrive. Ah, voilà. Allez. Ah mais il n'y en a plus qu'un qui peut construire. Ah. Est-ce que je... Ouais, mais je sais pas si on peut l'enlever après maintenant. Oui, je pense. Non, c'est bon, il y en a un qui vient construire le skate. Merci. Merci à toi. Tu nous sauves. Hein. Voilà. Ensuite. Alors, est-ce que je leur explique comment faire? Les gars. Est-ce que vous allez comprendre qu'il faut faire comme ça? Pas sûr, hein.
Non, c'est un loup sauvage. Comment il a fait pour rentrer? Bah. Ah, par là. Bah oui, je suis bête. On va faire des murs. Faire des murs, c'est pas grave. Alors, en argile, on en a. Ça tombe bien. Ils sont pas contents. Bah, je sais pas pourquoi ils sont pas contents, les gens. Des fenêtres quand même. Là. J'arrive pas. Ah, il faut que je monte le mur. Je sais pas du tout ce que j'ai fait. Non, c'est pas bon. J'arrive pas à annuler. Mais. Tant pis. Il faut les murs en premier quand ils sont là. Mais si je dis maintenant ça, tu me donnes. J'ai un truc de démolition. Non, c'est pas bon. Ouais, ben en fait, moi je veux démolir ça. D'accord. Non, mais je veux démolir. Voilà. Et ça, annulé. Voilà, là ça me l'a annulé. Alors, ensuite, fenêtre. Fenêtre en argile, hein. On va en profiter que j'en ai. Voilà, deux fenêtres, c'est bien, pas besoin de plus. Hop. Essayez de pas tomber dans le trou, s'il vous plaît. C'est pas gagné. Hein. Pas évident de viser non plus. Voilà, c'est Marie qui a fait les fenêtres. On mettrait pas une porte ici quand même, histoire de. Allez. Bon, cette fois c'est pas évident de basculer. Ouais, bah écoute, t'es bien gentil mec, mais c'est ton chien, ça je parle. Ouais. C'est pas le mien. Donc j'ai toujours des chèvres. Tiens, il est pas content, qu'est-ce qu'il a? Allez. Bon ben Karl, ça va pas. Il est pas content. Ça se passe pas très bien dans sa vie. Ben, écoute mon gars. Leur faire avec un petit peu. Bon bah pour l'instant ça se passe bien. À part Karl. Il y a qu'à manger hein. Et les choux. Les choux sont bons à récolter quand? Température non remplie. Ben ouais je me doute bien forcément. Sous 5 degrés minimum.
On verra. Pour l'instant, je peux pas faire grand-chose hein, pour les choux. J'ai perdu les carottes. Ah, ça se trouve, il y a l'autre qui me vendait des carottes. Attends, on va faire pause. Toi, va troquer avec notre ami. Allez, tu lui dis bonjour, monsieur. Voilà. Alors, est-ce qu'ils vendent des carottes, le monsieur? Graines de betterave, graines de chou, graines de lin. Il n'y a pas de graines de carottes. Ça, c'est embêtant. Il vend rien, quoi. De l'orge, on n'en a pas? Comment ça se fait? On devrait en avoir. Enfin, c'est des graines d'orge que je veux, pas de l'orge. Non, mais non, en fait. En fait, t'as rien qui m'intéresse, monsieur. Pourquoi ils vendent pas tout ça? Oui, Natchfat, Farlouis Ressources, bah oui. On n'a pas de graines de carottes. Tu sers à rien. Du cidre. Non, on va pas commencer à picoler. Non, bah tant pis. Annulé, j'ai dit. Voilà. Tant pis, hein. T'as pas de graines de carottes, tu m'intéresses pas. Toi, tu vas tomber. Fais gaffe. Reste pas sous tes pieds. Oh, c'est que de la terre, c'est pas très grave. Faudrait quelqu'un qui creuse là. Une heure. De toute façon, c'est bientôt l'heure de dormir. J'ai envie qu'il dorme. Personne qui va ranger ça? Matériaux de construction avec les os. Qu'est-ce qu'on va faire avec les os? Par des colliers en os. Bon bah. La reprise est pas si mal. J'espère qu'avec tous les conseils qu'on m'a donnés, je vais arriver à faire quelque chose. Pour l'instant, 5 colons, c'est pas si horrible. Hein. Recherche disponible, ouais, ben pour l'instant, la recherche. On a combien de manuels en tout? 10 manuels, c'est pas énorme, mais. On va mettre en pause ça, un petit peu. Ça va être d'harmonie. Si j'arrive à faire un escalier là. Ah là, ils sont debout. Alors, ah oui, j'avais le chantier là. Non, pas là. On n'a pas de problème, la personne n'est tombée dans le trou. Si. Ah, mais c'est pour ça qu'il est pas content, lui, ce couillonou. Il est tombé dans le trou. Pour faire une pente. C'est compliqué. Une pente là. Et ça. J'annule. Voilà. Par contre, faut qu'il fasse la pente. T'as pas envie de faire la pente? T'as ce qu'il faut. Hein. Non, il préfère continuer ses bêtises. Bon, d'accord. D'accord, Karl. Ensuite, ce que je vais faire, je vais annuler au moins un temps la construction du temple. Tant pis. Tac. Voilà. Toi, évidemment, on n'a plus besoin
Voilà. C'est bête, mais je pense que là, on a plus important à faire. Hop, c'est-à-dire les trucs de prière, c'est ici. Quand même les mettre. Ils iront dans le froid, c'est pas grave. C'est pas si grave ça. Qu'est-ce qu'ils font là? Ah, ils sont tous partis creuser là-bas. Est-ce qu'ils ont fait la pente? Oui, cool, Karl va pouvoir sortir. J'annule, mais là c'est trop. J'ai vraiment qu'ils s'occupent en priorité de la réserve pour la cuisine. Des ressources, je pense qu'on est bien. Terre, attends. Alors, je sais pas si j'avais accès à la glace. Oui. Alors, on va quand même débloquer ça. Parce que c'est bien. Qu'est-ce qu'il fait? Ouais, c'est ça. Je viens d'ici. Ça va aller, car déjà, c'est plus un rebelle, c'est plus. Il est plus dans le rouge. Ah. Ah, ça va être compliqué. Qu'est-ce qu'il fait? Prie, prie, prie. Tout le monde qui prie. Sérieux? Ils étaient si pressés de prier que ça. Bah, dis donc. Ah, d'accord. Faut pas leur en promettre, hein. Divertis, bah si tu veux, pourquoi pas. C'est quoi? C'est l'heure de se divertir, d'accord, c'est valable. Ok. Je suis d'accord. Bien. Et bien, sur ces bonnes nouvelles, on va arrêter l'épisode ici et je vous retrouve au prochain. Des bisous.